Voilà. Madame la conseillère d'État, monsieur le président fondateur, monsieur le président fondateur, monsieur le vice-président fondateur, chers représentants et représentantes des milieux économiques et politiques, mesdames et messieurs en vos titres et fonctions, chers invités, mesdames, messieurs, permettez-moi en quelques mots de vous parler de ma ville et de ma région, Yverdon-les-Bains et Pointe-Neuchâtel, et de vous présenter ici quelques éléments. Je suis donc très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Yverdon-les-Bains pour cette nouvelle édition du Forum économique romand. C'est un honneur pour nous que d'être la ville hôte d'un tel rendez-vous et je tiens à remercier tout particulièrement ses organisateurs pour leur grande fidélité à notre cité thermale. Le Forum est un formidable reflet du dynamisme et de la créativité du monde économique romand. La ville d'Yverdon-les-Bains, qui vous accueille aujourd'hui, constitue un bel exemple de ce dynamisme, et ce depuis plus de 10 ans. Elle possède de nombreux atouts, mais elle est également confrontée à certains défis, face auxquels elle a su développer des solutions originales, notamment dans le domaine de la mobilité. L'une des principales forces d'Yverdon-les-Bains, c'est d'avoir misé depuis longtemps sur l'innovation. Nous disposons notamment du plus vaste parc technologique de Suisse, Y-Parc, qui propose aux entreprises de nombreuses surfaces prêtes à bâtir à des conditions très avantageuses. Y-Parc, c'est 250 000 m² constructibles dédiés en priorité à la recherche et à l'innovation. Avec la révision de la LAT, c'est aussi un formidable atout pour accueillir rapidement des entreprises souhaitant s'implanter dans un univers stimulant. À terme, ce sont plus de 10 000 emplois qui y sont attendus. Douceur de vivre. Yverdon-les-Bains, c'est aussi un cadre de vie privilégié situé entre terre et eau, entre ville et campagne. Nous avons la chance de bénéficier d'un patrimoine bâti de grande qualité, mais également de formidables ressources, notamment sur le plan thermal. En quelque sorte, Yverdon-les-Bains a réussi à trouver le juste équilibre entre développement économique et douceur de vivre, et c'est l'une de ses grandes forces. À l'image de la Suisse romande, Yverdon-les-Bains a par ailleurs su saisir l'importance de la formation. Plus de 6 000 étudiants fréquentent chaque jour les établissements de notre ville, avec notamment la Haute École d'ingénierie et de gestion, qui alimente en continu l'esprit d'innovation de la région. Nous accordons à ce titre une priorité toute particulière au transfert des technologies entre les hautes écoles et le monde économique. Un autre grand atout d'Yverdon-les-Bains, c'est sa créativité qui constitue un argument économique de poids. Les différents établissements culturels de notre ville, tels que le théâtre Bénovesson ou la Maison d'ailleurs, et les événements comme le festival Numeric Games dont le président a parlé tout à l'heure, qui se tiendra ce week-end, font parler d'eux bien au-delà de notre région. Cet apport est particulièrement stimulant, notamment en termes de retombées touristiques et de visibilité, bien évidemment. Arène sportive aussi. Enfin, Yverdon-les-Bains est un lieu privilégié en ce qui concerne la pratique du sport. Nous accueillons régulièrement des compétitions nationales ou internationales. On peut par exemple citer la Coupe du monde de paracyclisme en 2015 ou la Fed Cup de tennis en 2012. La ville d'Yverdon-les-Bains bénéficie par ailleurs de nombreuses infrastructures sportives de haute qualité et d'espaces de loisirs qui permettent à tout un chacun d'exercer sa discipline de prédilection dans des conditions optimales. Au total, plus de 100 sociétés sportives sont actives sur la commune et offrent une large palette d'activités allant du tir à l'arc jusqu'à la navigation en passant par le hockey sur glace, sur terre et j'en passe. De nombreux clubs militent par ailleurs en Ligue nationale. Défis à relever. Dans le contexte économique et social actuel d'Yverdon-les-Bains, tout comme de nombreuses villes romandes, se trouve néanmoins confrontée à un certain nombre de défis qu'elle devra relever au cours des années à venir. Notre municipalité travaille aujourd'hui déjà à ménager la ville de demain. Le principal challenge est celui de la croissance démographique. Les prévisions indiquent que notre ville comptera 6 000 habitants de plus d'ici à 2030. La région devrait, elle, en accueillir 15 000. Face à cette réalité, il s'agira pour nous, autorités,
de continuer à offrir des prestations de haute qualité et un cadre de vie privilégié aux habitants ainsi qu'aux entreprises. Pour se développer, Yverdon-les-Bains vise également à renforcer son positionnement économique, notamment en se démarquant comme un pôle majeur dans le domaine du transfert des technologies. En tant que seconde ville du canton de Vaud, nous devons également réussir à élargir le rayonnement et les interconnexions de notre cité, que ce soit sur le plan économique ou culturel. Enfin, et c'est le sujet qui nous occupera aujourd'hui, notre ville fait face à des défis de taille dans le domaine de la mobilité. Il s'agit d'une thématique transversale directement liée aux évolutions démographiques, économiques et culturelles, mais qui touche également à d'autres questions comme le bien-vivre et la formation. Route de contournement. Comme beaucoup d'autres villes romandes, Yverdon-les-Bains se préoccupe donc des questions de mobilité. Ces dernières années, nous avons développé plusieurs solutions innovantes et pragmatiques dans ce domaine. Je me permettrai d'évoquer ici brièvement deux exemples à ce sujet. Une problématique centrale pour une ville comme la nôtre, c'est de trouver un juste équilibre entre l'accessibilité du centre-ville et la qualité de vie des riverains. Comment délester les rues du centre-ville tout en garantissant la fluidité du trafic en périphérie? Notre solution, construire une route de contournement. Celle-ci permettra à terme de dévier une partie du flux des pendulaires par l'ouest de la ville. Ce projet, qui vient d'être mis en enquête, progresse de façon encourageante. Nous espérons pouvoir lancer la construction du premier tronçon au début de l'année prochaine, sous réserve, bien évidemment, des procédures en cours. Solution pour le parkage. La seconde problématique importante est bien évidemment, comme ailleurs aussi, la problématique du parkage. Plusieurs solutions originales ont été développées à Yverdon-les-Bains. Nous avons ainsi mis en place un système de macarons local permettant de garantir aux habitants du centre-ville des places de stationnement proches de leur lieu d'habitation, mais également de tenir compte des besoins des commerçants locaux. Nous avons également inauguré récemment un nouveau park and ride aux abords de la jonction d'autoroute Yverdon Sud. Cette infrastructure, qui offre plusieurs possibilités de connexion avec les transports publics, est particulièrement intéressante pour les entreprises et les pendulaires. Yverdon-les-Bains fait également figure de précurseur avec le parking card. Chez nous, les usagers de la route ont la possibilité de payer leur parking par smartphone, ce qui constitue pour nous une vraie avancée pratique. Comme beaucoup d'entreprises, les principes de la mobilité sont aussi appliqués dans l'administration. Ainsi, la ville d'Yverdon-les-Bains a mis en place pour ses employés un plan de mobilité qui leur permet de trouver la meilleure solution pour se rendre à leur lieu de travail. Je me permets également de mentionner que la ville d'Yverdon-les-Bains ne se préoccupe pas uniquement du trafic motorisé. Nous réalisons également de grands efforts dans le domaine de la mobilité douce. À titre d'exemple, nous aménageons actuellement de nouveaux cheminements verts le long des canaux de la ville qui ouvriront aux habitants de nouvelles possibilités de loisirs et de rencontres. Voilà, mesdames et messieurs, je terminerai mon intervention par ces quelques mots. La mobilité est une problématique qui nous concerne tous, que nous soyons représentants politiques ou acteurs économiques, bien évidemment. Au cours des années à venir, ce thème prendra une place toujours plus importante dans l'organisation de nos villes et de notre société. Ce n'est que grâce à une étroite collaboration entre l'ensemble des acteurs et en proposant des solutions innovantes et ambitieuses que nous pourrons y faire face. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je me réjouis de découvrir avec vous le programme de la journée et de pouvoir en discuter avec vous. Merci, bonne journée et excellent forum. Merci beaucoup, Monsieur Carrard. On va donc maintenant débuter à proprement parler avec notre premier conférencier. J'aimerais vous le présenter tout d'abord. Il est ingénieur civil et docteur S sciences techniques et PFL, spécialisé en transport. Et il a été chef de la planification de la mobilité du canton de Vaud de 2002 à 2005. Il a passé ensuite plus de 6 ans à la tête de la Direction générale des transports du canton de Genève. Il s'est impliqué notamment de façon déterminante dans le projet d'agglomération Franco-Valdo-Genevois. Et il a contribué à la réussite du projet de tramway de Cornavin à Bernay. En 2012, il devient professeur de mobilité et transport à la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud.
à Yverdon et il y crée un pôle d'excellence en ingénierie des transports pour la Suisse romande. Je vous demande donc d'accueillir, s'il vous plaît, le professeur de la HEIGVD, spécialiste mobilité pour la HESSO, Yves de la Créta.